Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool, on Mike, et dans cette vidéo, je vais vous lire la liste complète des défis d'XP à gogo de la semaine 4 de Fortnite saison 4. Alors le premier défi est un défi à étapes, il faudra infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil d'assaut. Donc la première étape est d'infliger 1000 de dégâts, la deuxième étape est d'infliger 2500 de dégâts et la troisième étape est d'infliger 10 000 de dégâts. Alors chacune de ces étapes validées vous donnera 20 000 XP. Le deuxième défi est un défi à étapes aussi, il va falloir toucher des adversaires avec des bombes boogie woogie ou alors des grenades à onde de choc. Alors la première étape est tout simplement de toucher un adversaire, ensuite il faudra toucher 5 adversaires et la troisième étape est de toucher 10 adversaires. Chacune de ces étapes validées vous donnera encore 20 000 XP. Le troisième défi est aussi un défi à étapes, vous allez devoir attraper du poisson depuis un canot motorisé ou alors un hélicoptère. Alors la première étape est tout simplement d'attraper un seul poisson, ensuite vous allez devoir attraper 5 poissons pour la deuxième étape et pour la troisième étape vous allez devoir attraper 10 poissons. Et bien entendu, comme d'habitude, chacun de ces étapes réussies vous donnera 20 000 XP. Alors, quatrième défi à étape encore, il va falloir garder ses PV et son bouclier à 100% pendant 2 minutes en une seule partie. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est pendant 4 minutes en une seule partie. Et apparemment, vous allez devoir le faire 5 fois, mais je ne suis pas très sûr. Et la troisième étape sera de garder ses PV et son bouclier à 100% pendant 8 minutes en une seule partie. Et là, il est marqué 0 sur 10, donc à mon avis, il va peut-être falloir le faire 10 fois, mais je ne pense pas. Bien entendu, à chaque fois que vous réalisez une étape, vous gagnerez 20 000 XP. Alors, le cinquième défi est de livrer des semi-remorques à Stark Industries pour gagner 20 000 XP. Le sixième défi est de générer de l'énergie pour Stark Industries en utilisant les tyroliennes depuis ou vers le nord de New York. Et vous devrez générer de l'énergie 3 fois pour gagner 20 000 XP. Le septième défi est de collecter des matériaux sur des bus ou des camping-cars dans des lieux natifs de Fortnite. Ce défi vous rapportera 20 000 XP. Le huitième défi est de relâcher du bleuvage dans l'atmosphère. Vous allez devoir relâcher 5 fois du bleuvage pour valider le défi et gagner 20 000 XP. Le neuvième défi est de danser avant la venue du néant. Vous gagnerez 20 000 XP aussi pour ce défi. Et pour le dernier défi, c'est d'éliminer des adversaires à Stark Industries ou alors à Misty Meadow ou Weeping Woods. Vous allez devoir éliminer 15 adversaires pour gagner 20 000 XP. Donc voilà pour la liste complète des défis de la semaine 4 d'XP à gogo de Fortnite saison 4. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh. Yummy.